Gagnez 6 sénateurs américains qui clairement mandaient avec le président Biden pour mandé avec Ariel Henry pour démissionner. Et sénateur, ça est clair sous ça. Raison, il explique qu'il fait que il a mandé pour que Ariel Henry démissionne. C'est parce que ouais que on ensemble de ça que Ariel Henry était signé avec un ensemble de acteurs politiques, organisation de base et ensemble de ça qui est signé yo, yo pas respecté. Par exemple, journée qui c'est jeudi 21 décembre non? Alors 20 décembre pardon. Qui mais cap 21 décembre à bien dire. Pral marquer ça relé yon l'année accord 21 décembre. Et à quoi ça, selon ensemble sénateur ça yo, américain ça yo. Yo trouvé que pas rien qui respecté en dedans accord 21 décembre non. Et yo trouvé que pouvoir qu'il a li pas inspiré confiance. Pour voir qu'il n'est pas crédible, il n'est pas qu'à continuer à rester dans notre pays. Et ça fait ensemble de sénateurs, ça y est, ils croient que, pas qu'ils ne pas boire, et puis gros action qui est capable de poser, que ils ont demandé avec Biden, même si j'ai supporté pour voir Ariel Henry, mais demandé avec Ariel Henry pour quitter notre pays. Et ensemble de sénateurs, ça y est, ils prônent une autre transition. Et avec deux missions bien spécifiques, et qui peuvent organiser l'élection dans le pays. Je dis, Ariel trouvait une situation difficile. Ariel trouvait que côté, dans le jour qui a venu là, dans les qui a venu là, dans le mois qui a venu là, que la communauté internationale est capable de virer d'eau by Ariel Henry. Parce que, comment c'est que de gros débats qui ont fait entre ou ensemble de acteurs parlementaires américains et même de ambassadeurs qui même ont même encore des facilités pour que Ariel Henry les même monte dans tes pays. Nous pouvons regarder ça avec collaborateur M. Desivenes. Gagné John Joel Joseph, ancien sénateur de l'Ouest pays. Monsieur est venu troisième monde qui condamné dans le cas dossier assassinat président Jovenel Moïse. John Joel Joseph, avant que monsieur t'étende verdict client, monsieur mande excuse avec famille Jovenel. Il mande excuse, il mande pardon avec peuple haïtien pour crime ça qui fait là. Et m'a vini avec détail sur ça pour nous. En même temps, tous amis internautes, moi songe et m'a tourné avec un ancien tweet que John Joel Joseph t'es fait. Côté que, si nous analysons tweet ça, n'après côté John Joel Joseph t'es déjà montré que t'es complètement négancé pour t'es tué Jovenel Moïse. Nous allons regarder ça. Muscadet, pas en campagne. Muscadet, pas dans l'élection. Mais ça m'gade, moi, ouais, moun dans le département ni pays en fait. Après que le ministère de justice voyait l'être de blâme, ça va Muscadet, mes amis. Ba di non, ba di oui, que ministère justice capable toujours révoquer Muscadet. Mais c'est ça me connaît, révoquer Muscadet dans ni pays comme commissaire gouvernement, li capable bouleverser département. Malé abeti, pas tuer Kokobe, mais si Kokobe a rebelle tout, li capable victime. Massacre encore dans département de la Tibonite. Moi qui descend avec des Ivenes. Des Ivenes, comment les Ephrem? Bonsoir Blaise Peterson, bonsoir à tous les amis internautes qui branchent tout partout à travers le monde sur Messac Nouvelle, Blaise Info, Point et Nouvelle. Nous comptons pour nous rejoindre encore dans mi-temps journée pour nous informer sur ce qui gagne en dedans pays, nous faisons analyser ensemble, nous discuter ensemble, nous faisons débat ensemble, qui permet que vous compreniez plus bien ce qui a passé en dedans pays. Ce sont celles questions, pas moi et Miskadé, roi boulé, pas moi et CGA, roi boulé, c'est ça qui gagne. Et dans Miragouane, on y a pris position pour y avoir réponse avec ministre de Justice, Madame Émilie Prophète Milsé, Madame qui t'a déclaré que Haïti est un ensemble de territoires perdus. Et bien, on y a pris la rue en mars pour te dire, mon cher, pas pour te bouer sur Miskadet, sur pour te bouer sur Miskadet, et on a boulé. Et on a montré à travers ensemble de débats qu'on a fait, depuis hier, on a essayé, ouais, Les Peterson, c'est deux groupes, c'est deux mondes à travers le pays qui ont mis des mondes dans la rue.
n'a venir sur ça tout à l'heure. Tant qu'on essaie garder dans le département la Tibonite, situation a bien plus difficile presque chaque jour côté bandits en griffe qui sans foi ni loi pas hésiter d'ouvrir coup d'âme sous machine qui a traversé différents tronçons routiers tant qu'on lien cours à route nationale numéro 1 pour payer chauffeur passager ou pas épargné yo pratiquement perdu la vie en babal bandi c'est des situations qui tristes en pile pendant autorité yo à travers la police du département continuer à observer pendant après rappeler Jean-Louis Paul Mina pral gagner 4 mois depuis l'installer comme directeur départemental 23 décembre qui a venir là malheureusement li poko jam tanmen yon opération qui ta kab inquiété bandi yo pour mettre bandi yo dans limite machine d'or qui victime des attaques bandi gang yo Blaise Peterson zami internaute n'a fait ou connait qu'elle était gagné monsieur Itagio qui dans commune Verette qui était avec convoi c'était plusieurs machines qui t'a sorti Elias Pignaf même j'ai des machines qui t'a sorti dans mi balai pour te rentrer dans région Bala Tiboïte là principalement dans ville c'est max c'est des situations très graves et depuis bien bonnet dans matin t'es gagné un camionnette qui t'a transporté charbon qui t'est arrivé mouri en babal sans compter un chauffeur taxi qui t'a traversé zone là bandi t'a tenté camper malheureusement il pas camper yo t'ai ouvert coup de balle chauffeur a été mouri sous place et passager a été blessé gravement grave qu'il prend soin dans l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc c'est dans département la Tibonite ensemble des situations on t'a dit que département ça il transformé tant qu'un cimetière à ciel ouvert Blaise Peterson et amis internautes tout partout qui a regardé Captain Lille. Bon nous saluer tout mon à la ronde badé vraiment saluer nous tout moi avec désir amis qui pas jamais connecté pas jamais pas suivre nous et qui déjà quitter des messages quitter des commentaires nous saluer nous indistinctement ça ne va arrêter une graine dans nous je que me dit là ne joue qu'à venir là yo bagala pral difficile pour Ariel Henry. Et l'aime de bras difficile à comprendre bien. Parce que, pas oublier, Joe Biden gagne chambre député dans niveau États-Unis qui déjà accepté avec 221 voix pour que je mette un processus de destitution Joe Biden. Et si ça arrive, fait, c'est que Ariel Henry frame, pas que route pas bois, pas que rien qu'a fait. L'a obligé à aller. Parce que, puis gros support qui est là, c'est président Biden qui va aller avec Ariel Henry. Parce que, pas oublier, Joe Biden, c'est lui-même qui permet que, à travers un ensemble de soutien, capoté avec Ariel Henry, mais autant que, mais les publics, les médiatiques, que Joe Biden prend de position claire pour capable soit supporter et pour capable courir Ariel Henry. Par exemple, si nous changeons la question, mais et vote qui t'a mal fait dans le niveau Conseil et Sécurité des Nations Unies, hein? Nous songez que c'est Joe Biden, lequel t'a pris la parole sous le cabinet des Nations Unies, dans l'occasion 78e Assemblée Générale des Nations Unies, hein? Il était clairement mandé avec même Conseil de Sécurité, hein? Pour être capable de voter, eh bien, on dit pour permettre que y ait des déploiements de forces étrangères. Eh bien, je dis là, ni Joe Biden, ni Ariel Henry, ils sont sous une chaise. À n'importe moment qui est capable de tomber à terre sous chaise ça. Il y a un groupe de 6 sénateurs américains. Ils ont écrit Joe Biden. Ils ont exprimé sa préoccupation, yo, inquiétude yo, face avec sa avancement, progrès qui va fait en un pays. Hein. Et ils jugé que je dis hein, que le gouvernement qui l'a, qui est là, il y a rien. Hein, gouvernement ça pour eux-mêmes li pas poser aucune action sérieuse li pas permettre que gè rien qui a été dit qui respecté alors que li pas un gouvernement légitime li pas démocratiquement élu et li pas respecté rien en conformité avec constitution haïtienne selon ça qui dit bon côté député et sénateur ça ne correspond dans certains des biens américains nous moyo chef a écrit avec chef Maison Blanche dans Joe Biden. Sénateur Sayo, c'est Edward G. McKay, Raphael Warnock, Elizabeth Warren, John Hickenlooper, Bernard Sanders et Chris Van Hollen. Yo dit clairement que après 2 années assassinat président haïtien Jovenel Moïse, depuis l'ensa Haïti, li plonge dans un état calamiteux, insécurité, qui a touillé peuple haïtien. Insécurité a engendré, ça n'est une crise humanitaire.
Selon ensemble parlementaire ça yo, yo dit après assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, il y a un ensemble de monde qui comme croyo même qui prend direction et qui prend gouvernail pays et moun sa yo c'est qui est yoyé. Yo dit que Ariel Henry que président Jovenel Moïse li té nommé de manière anticonstitutionnelle et pour et actuellement là Ariel Henry c'est lui qui a assumé rôle de facto chef l'État et je dis Ariel Henry continue kembe pouvoir l'État nan men. Alors ce que peuple haïtien li pas élu Ariel Henry démocratiquement. Ariel pas président. Pas de président. Pas de parlement. Ça veut dire Ariel Henry, li c'est Ariel Henry, li c'est président, li c'est premier ministre et même gen des moun ki rele roi Henry. Yo clairement dit que Ariel pas gen aucun mandat constitutionnel pour diriger le gouvernement haïtien. Et question que ensemble parlementaire ça opposé. Yo dit que Ariel lui-même clairement ça qu'a passé en dans pays là, li symboliser que pouvoir ça qui pas gen volonté, qui pas manifester volonté pour ta résoudre problème qui gen là. Et yo fait connait que équipe Ariel Henry avec un ensemble de acteurs politiques, un ensemble de organisations dans la société civile là, yo t'est tombé d'accord puis yo t'est signé un accord qui est le accord 21 décembre et qui ça s'est prêt à arriver dans bout li jeudi 21 décembre qu'a venir là parce qu'il va marquer un an depuis que accord ça lui-même li t'est prend naissance li de faire qu'on est que en dedans accord ça ça t'est dit dans accord ça que Ariel Henry gè pour 2023 mettez capé au conseil de transition, mettez capé au cadre là, organe de contrôle action gouvernementale là et permet que yo mettez capé KIP et organiser élection. Et le 7 février 2024 que Ariel Henry a pris mes pouvoirs avec un président élu et que Ariel te dit ça avec propre bouche parle. Alors que yo pas fait rien comme action, yo juste resté là, y a gardé et y a fait temps passer. Mais selon ensemble sénateur ça yo yo dit clairement que président Biden ou pas le choix que pas ba soutien pas supporter pas courir Ariel Henry parce que ay pas réglé en sérieux et c'est une autre transition qui pour prendre tête payant selon ça ou même yo fait connait qui donc les que me dit que joue Ariel Conté les que me dit avenir Ariel Henry les incertain. Je dirais pas moins deal, c'est en fonction de ça qu'a dit, bon côté un ensemble de acteurs en Haïti et bon côté un ensemble de acteurs à l'étranger des Ivenes. Et Blaise Peterson pensait que sénateur Sayo il semblait à suivre actualité pays d'Haïti des fils à aiguille qui cap permettre que prend ensemble des positions Sayo. Parce que toute force que Ariel Henry gain là, je dis à travers pouvoir qui bail tête les missions qu'il pas gagné. Dans représentation pardon que l'a fait pour Haïti yo. Parce que des côtés que Ariel Henry allait nous cap comprendre que c'est président de la République qui t'a dû aller ensemble invitation qu'il recevoir yo. Malheureusement nous dans un pays côté nous pas connaît ce qui constitution qui n'a pas fonctionné c'est plus gros problème que pays a connait en tout dernier moment yo et bien Ariel Henry dit entendre il fait salver parce que il gain support yon groupe blanc qui constitue yon structure politique et en dedans pays a tirer les corps groupe qui te permettent qu'elle te nommer. Est-ce que Ariel Henry pral prend non je tout bon vrai? Est-ce que décision ça, il pral permettre que Ariel Henry arrive dans limite qu'elle décide tout bon vrai? Est-ce que peuple haïtien après et journée jeudi à la 21 décembre Blaise Peterson, il pral continuer chita sous chaise bourreau pour y assister Ariel Henry après accord li fin expirer tant coup gagner plusieurs et organisations actions politiques qui annoncé dans journée jeudi à cap venir demain? Yo pral entendre yo pou yo faire des mouvements tant que de Abel Loriston qui t'a annoncé que t'a pral enterrer accord 21 décembre là. Après au fin enterrer, qui ça pral suite yo qui ka permettre que Ariel Henry li rachement yo clip pou le baiter à tout bon vrai. Les ça pour à travers
consensus national à travers l'union nationale pour choisir des groupes monde qui sont dignes, qui honnêtes, qui ont capacité qui cap mener le pays à dans une transition courte qui cap permettre d'organiser l'élection. Faut gagner volonté parce que Ariel Henry c'est volonté à quel pas gagner parce que c'est ensemble monde qui mettait lui qui te dit mon cher ou gagne ça comme fait des routes ou besoin au moins que on conduit pays d'Haïti dans instabilité totale nous-mêmes pour nous cap puiser pour nous cap soucer sans haïtien à haïtienne qui la caillou nous cap travaille qui dans cap fait plusieurs jobs à travers plusieurs jobs ça OK au fait yo vinn investir la caillou dans pays d'Haïti yo vinn faire business ou bien yo vinn construire caillou et ben on permet que ou pas ka vini pour au moins que c'est l'autre bois ou acheter un caillou dans pays nous yo acheter un caillou qui permet que l'argent li rete la caillou c'est ça que monsieur Antonio yo fait et ben est-ce que écriture ou bien lettre tout l'ouvri que ensemble sénateur ça yo voyez by président États-Unis d'Amérique Joe Biden qui montrait dans position qu'elle prend dans question migration qu'elle soucie des situations que Haïti a connait qui ba opportunité avec haïtien pour participer pays mais est-ce que essentiel c'est permettre que haïtien participer pays tout simplement au lieu que yo te travail pour te permettre une stabilité que haïtien te senti yo te dans l'insécurité yo ta planifier la vie même gens yo ka rentrer aux États-Unis yo wè réussite aux États-Unis c'est même gens tout si que sécurité dans pays a même haïtien ça ka courir pour aller aux États-Unis et ben yo ta wè réussite yo en Haïti yo ta besoin courir pour aller aux États-Unis yo ta besoin courir dans programme humanitaire pour aller au Canada yo ta besoin courir pour aller la France yo ta besoin courir pour aller en humiliation en République dominicaine et bien ensemble des sénateurs ça nous bat bravo pour nous féliciter parce que yo pas fait ligne conseil haïtien yo qui entend yo dans les têtes dans des pays a mais vous devez comprendre Haïti li rete yon pays libre et indépendant. Yo d'accord que pays d'Haïti, c'est première république noire indépendant qui aide plusieurs pays dans Amérique là, dans Caraïbes là, goumé pour conquérir indépendance, mais malheureusement dans toutes les dernières années, ces situations difficiles ça qu'on a connait. C'est peuple haïtien blessé personne. Parce que si on répéter ça dans toute émission qu'on a fait. Peuple haïtien li capable. Si n'a pas ces d'autres font parenthèse pour nous voir quantité moun dans Miragouane qui sorti par rapport avec lettre de blâme que vous voyez by commissaire Jean-Ernest Muscadet dit tout dit automatiquement que population ka manifester population ka prendre la rue pour revendiquer droit yo mais kounye a y a besoin un leader mais par quoi c'est Jean-Ernest Muscadet qui mande moun sa yo pour te prendre la rue c'est toute la république ensemble qui pour coller tête pour dire non avec ça qui a passé a parce que André Michel dans tweet li yo vous m'anticiper li te dit que nous pas ka quitter si moun nou yo perdit année l'école là pour Jovenel Moïse OK. Combien de timoun jodi a ki nan département la Tibonite ki pa ka l'école nan commune Yanko nan commune Tirivière la Tibonite ke bandi nan contrôle zone sa honnête combien de timoun nan Mariani combien de timoun nan Matissan combien de timoun nan Cité Soleil combien de timoun nan Carrefour combien de timoun nan village de Dieu combien de timoun nan Canaran pour jusqu'à présent ki poko jam fè 11 jours l'école par rapport avec problème ki gen la André Michel te di nou pa ka timoun pèdi ane a mais nous gon paquet timoun la k'ap pèdi année scolaire si là ok aller l'école quand même yo trouve un paquet difficulté par rapport avec situation économique et précaire même machine que pa ka payer pour y aller l'école professeur a fait grève yo pa ka toucher de personne ça c'est Ariel Henry qui conduit nous là pendant yo dit y a barré la corruption yo même y a bien chaque jour la corruption li important li nécessaire pour gagner des groupes moun qui dit non ça ka fait là li pas possible li pa doit continuer comme ça les personnes les amis internautes tout partout bon moi même essayer comprendre et me garder bien ça premier ça me fait lecture de ça qui dit en dedans et correspondance regarder dans les tout l'ouvri ça envoyé by président Biden ensemble de sénateurs ça yo et me essayer garder pour moi que position ou dis moi ce que ensemble de constat que ensemble de parlementaires américains ça offert mais dit oui yo même yo pas arrêté conserver écrit lettre là yo voulait le by président Biden yo écrit lettre en fonction de constat que yo fait et qu'il y a un peu cette question est-ce que constat que yo fait c'est constat pas réel est-ce que bon yo même qui va dans pays hein yo fait de constat qui réel qui dira pour monde qui en dans pays yo même qui vivre réalité hein et qui senti que je dis hein pays en sous pour capable craser bon le craser déjà pays effondrer déjà mais c'est comme tu as dit que selon ensemble parlementaire sérieux il dit que il a pas souhaité tirer ce qui était il a pas souhaité tirer qui était que équipe qui là équipe qui au pouvoir là que il fin craser et ça fait dit que
Eh bien, avant même que pays a effondré avec équipe en place, non, je m'en dis, président Biden, t'as pris s'il te retirer Ariel dans tête pays. Pas bal soutien encore. Parce que, pas bal soutien, gros paquet et signification. Parce que, pas oublier que, pour qu'elle Ariel là, pour Ariel te arrivé là, c'est le corps groupe. Et corps groupe là, c'est un ensemble d'ambassades la donne. Et ambassades ça yo, États-Unis dans tête de liste. Et ou gade Bini, qui c'est bio intégré aux Nations Unies en Haïti. Mais représentant Bini, et secrétaire général Bini en Haïti, Maria Isabel Salvador, les Bini parlent, on met dit c'est États-Unis au premier plan. Ou gade en même temps tout la question déploiement force étrangère ça. Qui est-ce qui vient mettre plus pression dans le corps et conseil? C'est après déclaration Biden qui fait sous le tribunal des Nations Unies. Ça, ils estiment que c'est un ensemble de soutien qui a baillé avec l'équipe qui l'a. Et ils estiment que l'équipe qui l'a, n'a pas mérité soutien ça encore. Parce que ils ont même tout, ils ont fait des promesses, ils ont pris des engagements avec Tetio que ils n'ont pas respecté. Et promesses ça qui ont été prises, engagements ça ont été pris, yo li pas respecté du tout. Il y a allé dans plus gros document que équipe qui l'a écrit oui, parce que il dit que parole yo pralé mais écriture prêté. Gabrété. Mm-hmm. Mais ça veut dire que yo allé à quoi 21 décembre nan. Et je dis hein, à quoi 21 décembre nan suffit pour quelque soit moun qui a suivi sa capacité dans pays hein, pour dire que mais équipe qui l'a échoué. Pour dire, équipe qui l'a, ça te promet en termes de résultats, li pa bay li. Parce que pas rien qui dit, en dedans, accord 21 décembre, qui est respecté.